Là, bonsoir au panel d'Afrique Média, à ce super plateau, la plus grande télévision du monde, avec 100 millions de téléspectateurs. Bonsoir le Bénin, pays hôte, pays qui a accepté d'accueillir aujourd'hui toute la jeunesse panafricaine à travers le monde. Bonsoir la diaspora africaine, cette diaspora qui n'a jamais cessé de soutenir le combat d'une Afrique libre, d'une Afrique souveraine. Manuela, nous sommes au Bénin. Nous sommes à Cotonou, la capitale économique de ce pays, pour assister au congrès constitutif du réseau des communicateurs panafricains, ABG Réseau Panacom. Vous avez écouté le président d'organisation, en même temps président de cette nouvelle structure naissante, Capi Casa, qu'on représente plus sur les réseaux sociaux. Il vous a fait égrener ici, qui a essayé d'égrener l'ensemble des participants que nous attendons à cette magnifique rencontre. À cette rencontre où la jeunesse africaine, pour une première fois, a décidé de prendre de se prendre en main, de prendre le taureau par les cornes, en essayant de donner par elle-même la vision qu'elle a de notre continent. Elle a décidé de dire ici et maintenant que cette Afrique nouvelle est en construction, cette Afrique nouvelle est en devenir. Manuela, nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique, et nous avons constaté qu'ici au Bénin, votre chaîne est une chaîne qui a duré. Les Africains ont décidé de dire ici et maintenant que l'Afrique ne sera plus ce qu'elle a été, présentée comme un continent où chacun est libre de venir et de dire ce qu'il pense de nous. La jeunesse africaine a décidé de dire enfin que nous avons besoin de l'Afrique libre, nous avons besoin de patriotes, de l'État patriote à la tête de nos structures et de nos États, nous avons besoin de dire ici et maintenant free de Kourou Gbagbo, parce que plus jamais, nous ne pourrons plus accepter que nous continuons à demeurer, n'est-ce pas, des zones d'expérimentation de cette soumission qui nous a été imposée depuis les siècles. Merci Manuela, merci à votre panel. Je pense que ce n'est que le début. Dès demain, nous serons à la grande conférence et vous aurez, et avec l'aide de nous, de plus grand jeunesse du monde, qu'on représente plus monsieur Mohamed Bachir Adam, l'ensemble des intervenants, monsieur, beaucoup d'éléments concernant et le Bénin, mais surtout cette nouvelle structure de combat qui a été mis en place par les jeunes africains. Je vous remercie. Voilà, Manuela Siki, vous avez en quelques mots une idée de ce qui va se passer demain samedi. Nous allons vous retrouver certainement pour la suite des événements. C'était Yacine à la caméra et Mohamed Bachir Ladane pour Afrique Média. Merci, Bachir.